Welcome to my channel, Entrepreneur 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Voilà, cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, qui vous partagera toujours des informations pertinentes, des informations qui vous apporteront toujours de la valeur. Sachez qu'ici, vous allez toujours avoir de la valeur ajoutée. Vous allez toujours être informé en temps réel, à tout moment. Voilà, la seule chose que vous devez faire, c'est de vous abonner, de liker et de partager. Car sur cette chaîne, vous allez toujours avoir de la valeur ajoutée. C'est de cela qu'il s'agit. Et sachez également qu'en même temps, nous avons un programme de formation taillé sur mesure qui... ce programme-là est vraiment indispensable, voilà, pour tous ceux qui veulent s'intégrer, voilà, pour tous ceux qui veulent se mettre en phase avec cette révolution technologique. Voilà, vous devez vous former, tout le monde doit se former pour pouvoir être prêt à pouvoir faire face à cela. Donc, et au quotidien, nous faisons ce qu'on appelle l'analyse technique, le décryptage des projets crypto sur le plan fondamental également. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, et à liker tous nos différentes vidéos. Voilà, donc je vais partager quelques informations importantes concernant le projet Arriva. Voilà, nous allons faire une simulation. Voilà, nous allons faire une simulation tout de suite concernant ce projet. Voilà, Arriva Coin, c'est un projet très très intéressant. C'est un projet très très intéressant. Pourquoi? Parce que elle vient comme ça résoudre un grand problème. Voilà, un grand problème. Elle vient comme ça résoudre un problème, notamment au niveau de du tourisme et du voyage. Voilà, parce que vous savez, avec le taux de change dans certains pays qui est souvent extrême, voilà, qui est souvent trop élevé, voilà, c'est l'un des problèmes. Voilà, vous avez souvent des difficultés à échanger vos devises avec le projet. Avec ce projet, vous n'allez plus avoir ce problème. Donc vous allez payer, vous allez utiliser la crypto-monnaie pour effectuer tous vos paiements, tous vos paiements. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est-à-dire pour, par exemple, prendre un billet d'avion comme ça. Voilà. Si je veux, par exemple, prendre un billet d'avion ici, je viens sur la plateforme. Voilà, je viens sur la plateforme. Voilà, je fais ma réservation ici directement. Je fais ma réservation ici directement. Je paye en crypto-monnaie. Voilà. Et si je suis dans un autre pays, voilà, où j'ai besoin d'effectuer des transactions, voilà, si le pays accepte la crypto-monnaie, je peux faire des échanges comme ça et c'est vraiment révolutionnaire. Voilà, maintenant nous allons aller en fond et en large de ce projet. Voilà, nous allons voir ici que Arriva Coin totalise environ 100 milliards de pièces. Voilà, 100 milliards de pièces, ça c'est le total supply. Voilà, et en circulation il y a 87 milliards à peu près de pièces qui sont en circulation. Voilà. Et le total hors circulation est de à peu près 6 milliards de pièces. Vous voyez que les choses sont en train de se dessiner. Donc, une fois cette balance entre la circulation et celle du départ, voilà, on sera déjà prêt pour la lune, hein. Donc il restera juste la quantité difficilement qu'on pourra déjà atteindre au mois de juin, voilà, si je me trompe pas. Voilà, ce sont des projections. Donc là, ce n'est qu'une analyse, hein. Bon, d'aucuns diront le contraire, je ne dis pas non. Bref, c'est une analyse. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, le projet Arriva, pour moi, c'est le projet du siècle. C'est un projet révolutionnaire. C'est un projet qui vient résoudre comme ça plusieurs autres problèmes, plusieurs problèmes vraiment importants. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez, si vous avez besoin d'une quelconque information, voilà, les commentaires sont là. Voilà, donc dites-moi et nous allons faire le reste. Donc, et nous allons, avant de clôturer cette vidéo, nous allons aller sur le marché. On va voir à combien s'échange cette crypto-monnaie, une pièce, à combien coûte une pièce actuellement. On va voir Arriva coûte combien sur le marché actuellement. Arriva, lui, il est à 3,0 après la virgule, 3,0 suivi de 29 après la virgule. Voilà, depuis sa création, il a déjà fait plus de 1300% depuis sa création. Voilà, ce sont des éléments à ne pas négliger. Ce sont des éléments à ne pas négliger. Voilà, donc c'est un projet vraiment qui est plébiscité, qui est sollicité. Voilà, donc voilà, on a les différentes informations là. Voilà, donc ce sont les informations que je vous ai partagées tout à l'heure. Maintenant, je vais aller convertir
Dernièrement, il y a des followers qui m'ont signifié que je prenais, j'avais l'habitude de prendre des gros chiffres, voilà, pour réaliser mes simulations en termes d'achat de pièces, voilà. Donc cette fois-ci, je vais prendre un petit chiffre, voilà, je vais aller sur 1 million de pièces. Si je veux 1 million de pièces, maintenant, ça va me coûter combien? Si je veux 1 million de pièces actuellement ou à l'heure où je vous parle, ça va me coûter 1 million de pièces, me coûte environ 300 $. Ouais, je vais réduire. 100 millions de pièces me coûte environ 30 $. Une chose est sûre. Donc, si je veux prendre, je veux prendre ma calculatrice parce que moi j'aime vraiment parler avec les chiffres. J'aime parler avec les chiffres. Ma calculatrice, il est ouf. Il est où ma calculatrice? Ma calculatrice, il est là. Ma calculatrice, il est là. Ma calculatrice, il est ouf. Voilà. Un instant, les gars. Un instant, un instant. Voilà. Voici ma calculatrice ici là. Je vais voilà, donc actuellement pour 100 000 pièces, 100 000 pièces vous coûte environ 30 $. 100 000 pièces vous coûte environ 30 $. 100 000 pièces, voilà. Donc 100 000 pièces, donc 100 000 pièces vous coûte environ, disons environ avec les frais, disons environ 30 $. 30 $. Donc vous avez dépensé 30 $ aujourd'hui là. Donc si demain la pièce brûle un zéro, ça vous fait combien? Vous avez à 300. Donc vous quittez de 30 $ à 300 $. Vous quittez de 30 $. Vous quittez de 30 $ comme ça à 3 en 300 $ si la pièce brûle juste un zéro. Maintenant, si la pièce brûle deux zéros, regardez comment les choses changent. Vous êtes à comme ça à 3 000 $ et pourtant au départ vous avez juste 30 $. Voilà, et maintenant si la pièce brûle un autre zéro encore, si la pièce brûle un autre zéro, un autre zéro, ça vous fait comme ça 30 000 $. Donc ça veut donc dire qu'avec un investissement, c'est-à-dire ça c'est une projection, hein. Je ne vous dis pas de faire cela, je vous dis pas, je ne suis pas un conseiller financier, donc je ne suis pas un conseiller financier, donc je donne juste mon point de vue. Voilà, à la demande des followers qui m'ont demandé d'être un peu plus, d'entrer plus en détail dans les explications. Voilà. Donc, supposons que vous avez 100 000 pièces. Vous avez 100 000 pièces. Oh, non, non, attendez, je veux. Ici, ça ne sera pas bien clair. Donc, je vais reprendre ici. Supposons que vous avez comme ça 100 000 pièces. Je prends mon crayon. Voilà. Vous avez comme ça 100 000 pièces. Vous avez 100 000 pièces et le token brûle. Attendez, je vais encore rentrer là. Et disons, le token brûle 0,1. 0,1. Vous êtes à 10 000 $. Et si le token brûle comme ça, donc s'il brûle tous ces zéros et il a 1 $, s'il a 1 $, vous avez comme vous avez directement, vous avez aux 100 000 $. Donc c'est possible pour moi. Je pense que d'ici. Avant fin 2025, je pense que ce token pourrait déjà, je préfère être conditionnel les gars, je pense que ce token pourrait déjà avoisiner les plus d'un dollar. Imaginez, vous avez investi, je prends mon, vous avez investi 30 $, 30 $ en 2022. Si en 2025 ou en 2026, disons 2025. Si en 2025, disons 2026, voilà, mettons là-bas un peu plus haut. Si en 2026, vous avez fait avec vos 30 $, vous avez eu comme ça, avec vos 100 millions de pièces que vous avez achetées, vous avez eu au final comme ça 100 000 $. 100 000 $. 100 000 $. Donc en 4 ans, est-ce que vous pouvez travailler 100 000 $ en 4 ans? Est-ce qu'en étant salarié, c'est possible? Donc les gars, dites-moi en commentaire. Ne voyez pas vous que la crypto-monnaie c'est une source de richesse. Donc il faut avoir des bases pour pouvoir se lancer. Dites-vous que dites-vous que la formation aujourd'hui devient un élément clé pour votre réussite. Donc c'est pour ça que j'insisterai toujours dans mes vidéos. Voilà, dans mes vidéos j'insisterai toujours dans mes vidéos. Dans mes vidéos, oui, que la formation reste de mise. La formation reste vraiment indispensable et importante dans cet écosystème. Donc, les gars,
lorsque je l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Likez les vidéos, voilà, partagez les vidéos à l'échelle internationale afin que nul n'en ignore. Donc les gars, je vous ai partagé comme ça les informations sur le projet Arriva. C'est un projet très très intéressant. C'est un projet très très intéressant, un projet à ne pas perdre de vue. Voilà, un projet à ne pas perdre de vue. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Et puis c'est tout. Likez et partagez là à l'échelle internationale les gars. Parce que je viens de vous apporter de la valeur. Je viens d'éclairer comme ça plusieurs personnes à votre demande. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.